عقلا دخل من دومور وياد ادم تقص شي تبوا الفلاس في القرايه اللي غران غكذا دامار تيراك دومار ثغرات شي تكرا ذي لي بريمير ذاك اللي تدرت دامار تيراك ذا شو ذا شو يدسمك فايضاك ذا شو فايكي تشفى لك القرايه كاين وين Je me rappellerai toujours. Monsieur Sugwas, mec. Depuis votre. L'année scolaire 44-45, quand on s'est connu, là où on a réintégré notre école, l'état de la réouverture, et c'est M. Boudaret qui avait traîné les cours pendant une année. M. Boudaret, tel Boudaret. C'était un instituteur en retraite. Qui avait accepté de faire une année supplémentaire. Bah, d'après, c'était M. Bouddha, M. Feraoui, les frères Feraoui. Il y avait Mouloud, il y avait Idir. Mouloud Feraoui tenait la grande classe et Idir la petite classe. Et dans notre école, les classes étaient grandes et les cours étaient. Il y avait pour tous les niveaux. Tous les niveaux. Tous les niveaux. Nous étions à peu près une équipe de 4, 5. Élève qui est venu de loin. En l'occurrence, le général de Chanfran, il a coupé de Mouhouano, vient de Havinzion, de Chanfran. Il a amené la carrière de la guerre du Moulin, Khalid Mouhouf Mouhouf le Hadj Gharar Gouinot Koumouchras, Hassan Narsin Ouvlet, et on a dit que Moutoukharouj. Mais quand notre école était réouverte, nous avons deux cas de cette affaire. Tu sais, mais l'école était déjà fermée pendant la guerre mondiale. Pendant la guerre de 40, l'école était fermée. Il y avait un couple d'instituteurs et l'instituteur était mobilisé pour l'armée, ce qui fait que tous les enfants qui sont nés les années 30-31, n'ont pas été à l'école. Sahab 32, il y avait quelques-uns. Il y avait en l'occurrence Sinhaji Ali, qui était un très bon élève aussi, malheureusement. Il a été touché par la limite d'âge. C'était un très bon élève. S'il avait eu la chance de faire des études. Vavas, son hadjir, il était un. Il a un goût de Mselim et Moussa Zilhabs, un étoile de l'Alliance. Que je connais très bien, et pendant la révolution, avant qu'il soit arrêté, quand il avait un petit papier à rédiger, c'est à moi qu'il l'a porté parce que sa lecture était connue à Rouen. C'est moi qui lui ai recopié, il me dictait, et moi j'ai inscrit. Et bien sûr, c'est là. D'accord. Donc, vous avez un traitement de faveur avec Damar Terak. On était bon élève, d'une. Armor, c'était le meilleur et toujours d'ailleurs dans tout. Et c'est vrai. Bon, là, c'était. Là, c'était. Et d'ailleurs, c'est en persévérant qu'il a réussi sa carrière, qu'on peut convier. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup comme ça. C'est là une anecdote quand Mithkar Makni Usmerda une chose que je n'oublie pas, il peut se chier comme ça pour lui faire une commission aux oiseaux. On a fait la commission, une indienne a dit c'est quoi ce qui est réuni là en plein soleil. Si vous avez il a pied là, il y a eu là. Je ne sais pas si on a bu un verre d'eau d'hydre, ça je me rappelle. C'était une grande balade. Donc, on était souvent ensemble. Et même quand il a été en prison, je ne sais pas au niveau des racines, c'est madame Koudou. Il barouille. Poutine en France. Poutine en France, il me semble la défense. Il a été un moment en France. Je ne me rappelle pas bien, il me semble qu'il a été en France. En tous les cas, je lui ai écrit, il m'a répondu. Il a tenu une correspondance. Mais là, tu ne l'as pas gardé.
C'était une lettre qui venait de prison. Que ma boutique a été plusieurs fois. Ouais, pas la police, je suis pas la police. Je suis pas la police. De façon, tu es un camarade, de façon, tu es un camarade. Camarade. Mais tu es un toujours, et malheureusement, les circonstances nous ont séparés chacun de son côté. On s'est retrouvé à l'indépendance. Je suis grand, je suis comme la radin, tu sais. Si, je suis resté presque 4 ans. J'ai exercé divers métiers. Les circonstances ont voulu que je retourne en France. D'accord. كرا دوما تاكسا حاميهم فوالي قدرت في كذا في دامار صحيت